toujours mon petit donut en ambre sur moi. Je dors, je me douche avec, je fais tout avec. Et ça m'aide, ça calme vraiment. Ben d'ailleurs, on la conseille pour les enfants qui font des cauchemars, qui ont mal aux dents, qui dorment mal. C'est vraiment une pierre qui va calmer. L'ambre en pierre roulée, c'est des morceaux qui ont été polis grossièrement. Après, souvent, l'ambre, c'est en bijoux que les gens l'affectionnent. Ça fait un peu comme opalisé à l'intérieur. Il y a même des fois des insectes, mais là, c'est des pièces de collection. Quand tu as des insectes et tout, c'est des prix intouchables, quoi. Là, on a toute une série avec du baroque, de la perle ovale, de la perle ronde. Je suis content que la pierre soit reconnue, quoi, qu'il y ait quand même des gens qui s'y intéressent déjà pour la beauté, comme moi à la base, et puis se rendent compte que... Eh ben, il y a quand même des pouvoirs, quoi. À savoir que les portables, les ordinateurs, enfin, tout est à base de minéraux. On est quand même, il y a des questions à se poser, quoi. Ben là, tu as un choix de pierres assez important, hein. Mais je vais quand même revenir sur la tourmaline. Elle va filtrer toutes les ondes indésirables du Wi-Fi, des portables, des ordinateurs, du micro-ondes, de la télé. Voilà. En pierre porte-bonheur, il y a beaucoup de gens qui aiment la turquoise. Tu vois ? Ça, c'est de l'africaine. Hein. Pierre de soleil, regarde si c'est beau ça, tu vois, c'est plein de couleurs orangées. Elle amène la joie de vivre. Elle va protéger ton système immunitaire. Si tu es convalescent, elle va t'aider à reprendre la forme. Après, on va retrouver le même style de pierre avec la citrine. Énergétisante, et celle-ci, elle t'amène la prospérité. Ah ben j'en ai une dans la poche gauche, toujours. Alors, à savoir qu'il faut se la faire offrir aussi.